Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Comment démocratiser la France. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Rollin qui nous présentera l'Assemblée annécienne. Salut Stéphane. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là, de vous retrouver depuis bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. En tout cas, ça fait plaisir d'être dans une de vos émissions et merci encore de l'invitation. Ça fait très chaud au cœur. Alors, c'est une émission interactive, donc vous pouvez poser des questions et puis la régie les remontera en fin d'émission. Et donc, on va discuter de l'Assemblée annécienne d'une façon globale, mais aussi en mettant une attention particulière sur la dimension démocratique, parce que cette émission elle est organisée par le MCP, le Mouvement Constituant populaire. Et l'idée centrale du mouvement constituant populaire, c'est qu'il faut d'abord rendre le pouvoir au peuple. Ensuite, on peut voir s'il faut aller à gauche, à droite, s'il faut construire des centrales nucléaires ou pas. Mais la première chose, c'est qu'il faut que le peuple puisse décider. Et concrètement, le MCP veut instaurer le RIC constituant, c'est-à-dire la possibilité pour les citoyens de soumettre une proposition sur le sujet de leur choix en votation populaire, en référendum, une proposition de modification de la Constitution. Et l'idée de. Donc, c'est distinct d'une assemblée. C'est ce reconstituant est distinct de la convocation d'une constituante. C'est vraiment donner de façon permanente ce droit aux citoyens. Et puis. C'est vraiment important parce que la Constitution, c'est le sommet de l'édifice juridique français. Et une fois que le peuple a le dernier mot sur cette Constitution, ben, il peut ensuite instaurer d'autres RIC ou inscrire dans la Constitution les grands principes de certaines politiques. Donc, il peut ensuite tout faire. Et donc, les deux grands objectifs du MCP, c'est d'instaurer le RIC constituant. Et puis aussi pour que les élus puissent pas détricoter ce que fait le peuple, aussi toute modification de la Constitution devrait obligatoirement passer au référendum. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller en description de cette vidéo, vous verrez le lien qui donne sur le MCP. Là, vous verrez différentes informations, notamment la possibilité de dire ce que vous pensez de ce RIC constituant et puis de ce référendum obligatoire pour modifier la Constitution. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous collaborer avec le maillage territorial du MCP. Et là, c'est donc des groupes d'action locaux du MCP. La première question que je te poserai, Stéphane, c'est une question un peu rhétorique, un brin Sérieux. rhétorique, puisqu'en fait, l'Assemblée annécienne est cofondatrice du MCP. Mais comment vous voyez la démocratie? Alors, la démocratie, déjà, nous, dans les assemblées, ce qu'on apprend en premier lieu, c'est de définir les mots. Les mots, ça, et on part avec des axiomes. On redéfinit le mot démocratie, le mot citoyen, le mot politique, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Donc là, la démocratie, l'Assemblée annécienne, au départ, était faite pour partir au municipal d'Annecy et instaurer le municipalisme libertaire de Murray Bookchin, qui est un philosophe qui est mort en 2006, qui est le père fondateur de l'écologie sociale. Alors tout ça, c'est des termes, certainement, ça ne vous parle pas. L'écologie sociale, par exemple, c'est antinomique à l'écologie de ce que Vincent Céspedes va appeler l'écologie des petits gestes, c'est-à-dire trier ses déchets, changer ses pneus quand il faut, enfin, j'en sais rien, quoi, acheter des masques bio, peut-être. Bon. Tout ça, c'est l'écologie des petits gestes, et on a l'écologie sociale qui, elle, s'attaque au rapport de domination. L'écologie, enfin, notre biosphère se meurt, hein, donc, l'Assemblée annécienne a fait campagne sur la collapsologie aussi.
juste avant ce qui arrive maintenant. Donc, si vous voulez réécouter notre passage, c'est vous regardez sur YouTube Assemblée, non, Municipale 2020 Annecy, et on prédit pas mal de choses, quoi. C'est quand même assez dingue. Et donc, le but, c'est une démocratie. Alors, on a été obligé de rajouter ce que Bookchin utilise aussi, c'est-à-dire démocratie radicale. Alors, radicale, c'est le problème, c'est que ça fait un peu peur. Alors qu'il ne doit pas faire peur, puisque c'est simplement revenir à sa racine, ce qu'il en est. Démocratie, bon, on connaît tous Demos Kratos, je le vois pas trop comme le pouvoir au peuple, parce que Demos ramène au Dem, qui étaient ces petites circonscriptions de citoyens qui s'exerçaient, qui apprenaient la politique, comprenait dans la politique la gestion de la cité. Et ensuite, qui pouvait aller s'exercer au conseil des 500 ou à l'ecclésia. Voilà. Donc, on part sur ce schéma-là, un système en assemblée, on revient au localisme parce qu'on trouve que on a besoin de systèmes résilients. Le système résilient, ici, à Annecy, on est confronté un peu comme à Barcelone, on a des problèmes de démographie qui explosent, donc de logement. Donc de ressources qu'il faut partager en termes d'eau, en termes d'électricité, enfin vous connaissez la chanson. Donc on essaye d'amalgamer, de se retrouver tous en assemblée et déjà de refaire société. Alors, refaire société, c'est de pouvoir déjà communiquer, se parler. On est en train de changer en fait la façon. Le schéma de pensée, on l'inverse et j'y reviendrai un peu plus tard avec l'Assemblée citoyenne locale. L'Assemblée annécienne a voulu instaurer son modèle à la municipalité sans un sou. Donc impossible d'aller aux élections. Hein. Le but, c'était un bluff et d'aller aux médias, c'est-à-dire à la télé locale, tout ça, exposer nos projets et apporter une nouvelle vision, un plus au débat. Et ça a très bien fonctionné puisque quand on s'est couché au premier tour en faveur de la liste qui a gagné, 27 voix près. Donc on y est pour quelque chose. Les gens qui sont à la tête d'Annecy nous doivent beaucoup et sans en conscience, même s'ils ne nous parlent plus trop. Donc, voilà, on a instauré ça. Et ensuite, l'Assemblée citoyenne, l'Assemblée annécienne s'est mise au service des associations. Car la représentation, donc nous on n'appelle pas les élus, on appelle la représentation. Hein, les élus, ça fait un peu Néo dans Matrix ou un Messie, quelque chose dans le genre-là. On redescend sur Terre, vous êtes la représentation. C'est-à-dire ceux qui sont désignés s'appellent la représentation, ils sont là pour nous représenter. Je suis désolé, je suis malade comme un chien. Ça ne se voit peut-être pas, mais je suis malade. Je risque de tousser, de me casser les oreilles. Bref, je ferme la parenthèse. On s'est mis aussi au service cet été. Enfin, depuis la crise, non, bien avant, depuis la crise du Covid, Annecy génère une contestation par le biais des manifestations que tout le monde ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on a le plus gros ratio de manifestants par nombre d'habitants ici, tous les samedis depuis très très longtemps. On a attendu le temps nécessaire, le bon timing, pour quand les gens en aient marre de tourner en rond et demandent des solutions, là on arrive avec la solution Assemblée citoyenne locale. Et donc on s'est lancé dans l'aventure. On a créé l'Assemblée citoyenne locale. Alors il fallait une assemblée, c'est une assemblée de citoyens. Un citoyen, c'est un individu sur un territoire donné. Il a fallu choisir le territoire. Pour intéresser les gens, refaire l'expérience annécienne, c'était pas intéressant. Donc, on est parti sur les territoires Savoie Haute-Savoie parce que le nombre d'habitants, les facilités d'échange qu'on avait, deux, trois contacts, c'était plus facile pour nous de partir là-dessus. Après, il y a une histoire commune, des cultures, bon, bref, c'est pour le folklore, mais quand même. Donc, on est parti là-dessus, on a créé l'Assemblée citoyenne locale, où on a choisi le nom ensemble de Savoie. Historiquement, ce pays s'appelait, était une nation, elle s'appelait la Savoie, avant d'être annexée. Et donc, 73-74, pour bien spécifier que c'est bien deux départements.
Le but du jeu, c'est que ça tourne. Le but, c'est de discuter de. Alors, la fonction, peut-être, je parle trop, peut-être tu veux intervenir ou je continue? Jean-Pierre. Non, vas-y, Pierre-Alain, vas-y, pardon. vas-y seulement, parce D'accord. que comme on connaît peu le Ouais. tout, tu peux y aller, je t'interromprai si j'ai une Il n'y a pas de question. souci, n'hésite pas. Bref, on est tombé sur un gars formidable. Peut-être vous connaissez, en tout cas Étienne Chouard le connaît bien puisqu'ils ont débattu ensemble, qui est Annécien d'origine, mais qui n'habite plus Annecy. Il a passé 20 ans de sa vie à Annecy. C'est un ancien chef d'entreprise qui a écrit des bouquins, qui s'est intéressé à l'économie, à la démocratie, qui a fondé plusieurs associations comme Débat citoyen, comme Demain la décroissance. C'est une personne qui se lance dans les présidentielles actuellement parce qu'il veut occuper l'espace médiatique et présenter justement son programme. Alors, je ne m'y suis pas très peu intéressé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ACL. Mais lui avait fait tellement le boulot des ACL qu'on s'en est inspiré. D'ailleurs, il est venu à la troisième répondre à nos questions. Donc, on s'est servi de la charte qu'il a faite. On en a discuté tous ensemble. On l'a adoptée. Les ACL sont des ordres. Déjà, c'est un lieu où les citoyens se réunissent parce qu'il faut savoir notre héritage de la République. C'est un droit inaliénable aux citoyens de se réunir et faire de la politique. C'est-à-dire qu'on pourrait discuter, débattre, comprendre les enjeux qui nous traversent. C'est un droit inaliénable. Pour l'instant, la représentation n'a que le mot devoir à la bouche. Déjà, on va répertorier nos droits. On a celui-là, le fait de se rassembler dans un lieu. Ensuite, elle a une légitimité. On s'appuie sur les lois de Rolland, qui datent de 2010, qui spécifient les statuts, enfin, la philosophie, par exemple, d'une organisation de service public. Le fait que ce soit mutable, que ce soit régulier, que ce soit ouvert à tout le monde, accessible, tout ça, on l'a de fait. On peut se constituer en organisation d'intérêt public. Et le deuxième point, d'intérêt général, qui remplit aussi les trois conditions qu'on a dans la loi de Rolland. Mais je ne vais peut-être pas vous saouler là tout de suite avec ça, sur les lois. Mais en tout cas, la légitimité, on l'a. Le but. La mission. Alors, une assemblée qui se constitue n'a pas de pouvoir effectif, certes. Par contre, il a des missions. La mission, alors, l'assemblée peut poser des questions à la représentation. Elle peut critiquer. Elle peut féliciter, pourquoi pas. Elle peut auditer. Et ça, c'est très important, savoir où va l'argent public. Et on a cette capacité-là, et de faire des enquêtes, pourquoi pas. Bon, cette charte est un mandat, mais elle a tellement été travaillée. Nous, à l'Assemblée annécienne, on a tendance à prendre les solutions qui existent déjà, ce qui a déjà été travaillé, étudié, et de s'en inspirer. Et on ne repart pas à zéro d'une société. Une transition. Donc, on instaure cette transition démocratique dans un premier temps en pesant sur la représentation. Nos assemblées se tiennent par exemple à l'inverse des conseils municipaux. C'est-à-dire que les représentants, la représentation peut venir assister, mais elle n'a pas le droit de faire de gestes ni de parler. C'est-à-dire qu'on rétablit. Là, c'est vraiment un contre-pouvoir. Alors ça, c'est au niveau municipal. Quand on a une assemblée communale, on va l'appeler. Je Mais nous, on a t'interromps là. pensé d'abord, Peut-être juste une question. Pourquoi ils ne peuvent pas parler au fond? Finalement, ça pourrait être utile d'avoir un débat entre les oui, citoyens. bien sûr. Alors, ils peuvent parler effectivement si on leur demande, si on pose des questions. Voilà. Mais c'est la règle, comme est la règle pour un conseil municipal. C'est la règle qui est Mais. établie. Un représentant perd son pouvoir. Le citoyen, en fait, on est reparti de là, c'est que la citoyenneté, c'est notre plus petit commun dénominateur. Mais est-ce que le Donc, représentant, enfin, est-ce que l'élu ne devrait pas pouvoir participer, non pas en tant qu'élu, non pas avec des pouvoirs spéciaux d'un élu,
Mais il est aussi citoyen, donc c'est un citoyen qui a été élu et en tant que Mais si on citoyen, prend, si on, participer. si on prend l'exemple de, je vais prendre l'Assemblée nationale, on va prendre un député qui vient, qui débat avec nous, ok, qui donne sa position, mais le problème, c'est que c'est lui qui va appuyer sur le bouton. Parce que nous, nous représentons l'étape 2 quand on met d'abord la pression à la représentation, qu'elle soit communale, qu'elle soit régionale, qu'elle soit nationale. C'est pour ça qu'on a ce groupe 73-74, pour peser plus. Je déparle. Ça, c'est la grippe. on ne peut pas lui conférer le pouvoir de voter pour tout le monde, d'avoir une opinion. C'est-à-dire qu'il se donne, il a été choisi, il a accepté la mission d'être représentant, d'être un exécutant des décisions qui sont prises, débattues en assemblée citoyenne locale. Et bon, pour nous, pour une primaire citoyenne, par exemple, parce qu'on compte faire nos primaires à nous, hein, on va pas s'embêter. L'idée, c'est d'agréger tout le monde, de faire comme une sorte de lobby citoyen dans un premier temps, de peser avec un discours, des arguments pertinents. Hein. On se doit être pertinent et travailler les dossiers. Et bon, s'il n'accepte pas, bon, ma foi, tant pis. Mais la fois d'après, il y a élection. Et si on agrège du monde, arithmétiquement parlant, toutes les élections, absolument toutes, sauf la dernière qui a explosé le score, depuis les fins des années 90, on est à 57% de gens qui refusent le jeu électoral. Je ne parle pas d'abstention, parce qu'abstention, attention aux chiffres mal racontés, on va dire. L'abstention actuellement, c'est 49,8%, on va dire pour les anciennes européennes, par exemple. Sauf que, on va rajouter dedans les bulletins blancs qui ne comptent pas, les bulletins nuls, qui va nous faire monter à 52 millions. Alors, on a dit ça, oui, peut-être qu'ils sont gourrés, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça n'a pas servi au système électoral qui est proposé. Je ne peux pas parler de démocratie, là, hein, donc quelle qu'elle soit, n'importe quelle élection. Donc, ce que je disais, reprends-moi, je dois avoir Donc de la fièvre. tu étais sur les missions. Voilà. Donc si j'ai bien compris, c'était surtout de. Oui, on Et ne veut après, pas qu'il est évidemment que représentant. Voilà. comme il n'y a pas de pouvoir de décision, puisque c'est une initiative, c'est des citoyens qui se réunissent, mais qui n'ont pas légalement de pouvoir, et puis qui mettent la Quand même pression au partie d'une fond. organisation, une Voilà. organisation d'intérêt public Et surtout, et ça peut d'intérêt avoir général. d'autant plus d'impact, puisque tu as dit que le résultat des dernières élections était serré, donc un nombre même petit, enfin un nombre de citoyens peut vite avoir un impact sur le résultat de l'élection quand c'est si serré. Voilà, donc on a 57% parce qu'on a des personnes aussi qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Et là, on monte à 5% de plus, donc à 57%. Et donc on est majoritaire. Donc on a 57% de gens qui refusent ce système représentatif, on va l'appeler comme ça. Est-ce qu'on peut vraiment dire, parce que tu parlais des abstentionnistes tout à l'heure, quelqu'un qui vote blanc, c'est assez clair. Il est allé déposer dans l'urne un bulletin blanc alors qu'il aurait pu mettre le bulletin de quelqu'un. Donc là, c'est assez clair qu'il n'est pas satisfait par ce qu'on lui propose. Mais quelqu'un qui ne va pas voter, c'est plus difficile à déterminer si il avait autre chose à faire ou si c'est une manifestation, disons, de son opposition, enfin de qu'il n'était pas content des candidats, quoi. Quand un système politique, des entre guillemets dirigeants, parce qu'on les appelle comme ça, mais nous on ne veut pas qu'ils nous dirigent, on veut qu'ils appliquent nos décisions. Quand donc ces personnes au gouvernement sont. J'aurais dû annuler ce soir parce que je suis vraiment à la ramasse. Repose-moi ta question, excuse-moi.
je vais être chiant ce soir. C'est sûr. La question, c'est les abstentionnistes. Ah ouais. Les bulletins blancs, c'est clair, mais les abstentionnistes, c'est pas clair. Oui, quand les gouvernements t'obligent presque, enfin, tu commences à penser au vote obligatoire, comme en Belgique ou des trucs comme ça, c'est que le système ne fonctionne pas. On va forcer les gens et on leur dit, vous avez un devoir, et là, c'est le devoir citoyen. Comme si aussi on avait le devoir, enfin, en ce moment, de faire des trucs qui nous est contraire. Et on nous parle de citoyenneté. Non, la citoyenneté, c'est un pouvoir qui est personnel, que j'exerce avec un collectif, avec mes conjoints qui sont sur le même territoire que moi. Je vote, je ne les lis pas, on peut élire, mais la plupart du temps, son rôle, c'est de voter des décisions. Chose qui n'existe plus depuis 2005, je crois, ici. Et encore, on s'est fait trahir par ces mêmes représentants. De toute façon, il y a une crise démocratique évidente. Hier, ils étaient encore combien à l'Assemblée? Il manquait la moitié. Les débats sont niveau cours d'école, alors que nous, on apprend vraiment à parler ensemble, à faire société, et on a besoin de la confrontation. C'est la confrontation qui nous intéresse, puisque ça permet de valider ou d'invalider en débattant. Sur des idées, quoi, mais c'est en misant sur l'intelligence collective qu'émergera, on va dire, la voie du milieu, avoir un discernement. Parce que ce qui nous manque, c'est le discernement. Être citoyen, c'est aussi une attitude. C'est l'attitude de pouvoir utiliser son discernement qui peut être altéré par une mauvaise psychologie. Si j'ai de la rancœur, si j'ai de la colère, la culpabilité, ou les énergies de victimisation sont des, et la peur surtout, sont des phénomènes psychologiques qui altèrent le discernement. Donc on veut sortir de là parce que là on sait très bien, enfin, j'aime pas dire on sait très bien, on est un con. Ce qui l'en ressort, c'est que là, bon, on n'a pas le choix. On est des enfants sans voix. Enfant, étymologiquement, ça veut dire qu'il n'a pas la parole. Alors, on était des électeurs, on l'est toujours pour certains, mais on n'a pas de carte de citoyen, quoi, quand même. C'est dingue. On a une carte d'électeur. Bon, ça se limite à ça. Donc, nous, on veut refaire la citoyenneté en assemblée et en se fédérant avec les autres. Et en ayant cette espèce de système poupée gigogne, avec une assemblée par quartier, parce que ça, c'est le cheval de Troie. Pour gagner, remettre la démocratie en France, et j'en parlerai tout à l'heure, c'est de passer par les assemblées, les conseils de quartier et les transformer en assemblées citoyennes locales. C'est un cheval de Troie qu'on est parti dans cette optique-là. En plus de créer les assemblées qui vont autour, mais c'est les assemblées de quartier qui vont nous sauver la mise en fait. Autre Ok, chose, c'est bon, bon. alors du coup, ouais, s'il te plaît. Une question sur les. Donc, on comprend, donc c'est une approche locale, quartier. Une question sur la représentativité de ces assemblées citoyennes locales. Si j'ai bien compris, il y a une distinction entre l'assemblée annécienne qui était Ça. auprès des visées, qui a des. Un cap politique écologique notamment, et puis même à l'intérieur d'écologie, tu parlais de l'écologie sociale, donc quelque chose de très précis. Par contre, si j'ai bien compris, l'Assemblée citoyenne locale de Savoie 73-74, elle est apartisane, elle est neutre, elle n'a pas, disons, de... Elle est neutre. Elle est neutre, et ça pose la question de la représentativité des assemblées citoyennes locales, dans le sens que c'est... Participer à ces assemblées, c'est quelque chose qui prend quand même du temps. Et bon, ça dépend aussi de la fréquence, mais disons, la fréquence des réunions, mais disons, en principe, ça prend du temps et ça risque d'attirer ceux qui ont des opinions très tranchées, enfin, qui sont déjà très politisés, qui ont des opinions tranchées, peut-être même parfois des opinions extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite. Est-ce qu'il y a un risque que ce ne soit pas représentatif dans le sens que les gens moins politisés, plus au centre, plus neutres quelque part,
soient sous-représentés dans ces assemblées. Ouais, alors attention, note, c'est sans préjugés, sans, on enlève tout ce qui est supposition. C'est vraiment une démarche de trouver une solution ensemble. Alors lors des débats, on fait des débats, on va essayer de mettre en place, parce que là, c'est juste la troisième qu'on a eue, la quatrième sera fin janvier, des débats dits argumentés, voire ce serait le top socratique. Donc, avec des, parce qu'on a la chance ici d'avoir, je pense qu'il me regarde T'en définis aujourd'hui, juste, c'est quoi mais un débat socratique? un débat socratique, déjà, il y a des règles au débat et ça enlève toute mauvaise foi, toute énergie. Enfin voilà, déjà, c'est du débat argumenté. Il faut sourcer. D'abord, la première règle, c'est de s'autoriser à changer d'avis. Et ça, c'est super important. Puisqu'il faut se mettre à la place de l'autre. Pourquoi il pense ça? Ça, c'est un travail à faire dans le débat socratique. C'est très important de savoir pourquoi une personne pense ça. Et peut-être qu'au final, en creusant, c'est peut-être moi qui suis un fou. Ou tout un groupe. C'est pas grave. Le but, c'est d'enlever la censure, puisqu'il faut que la parole soit absolument libre. Les principes de l'ACL, Assemblée citoyenne locale, c'est qu'elle appartient à tout le monde, qu'elle est ouverte à toutes. Et pour bénéficier de cette appellation d'organisation d'intérêt général, elle a besoin d'être mutable. Donc, on n'est pas obligé de participer à toutes. On a eu des gens à la première. Alors déjà, j'étais content de voir que la salle était quasi comble. On a eu d'autres personnes à la deuxième. Certaines sont venues encore, mais on en a eu d'autres. Et à la troisième, on a des personnes qui étaient venues à la première, des nouvelles personnes. Il faut que ça tourne comme ça. On ne va pas, en tant que citoyen, je ne suis pas obligé de voter tout et absolument tout. Je peux choisir mes sujets qui m'impactent. Je suis citoyen dans mon territoire. Qu'est-ce que je maîtrise? Bon, l'éclairage. Bon, là, on s'arrête à l'éclairage et après, on parle de démocratie, des grosses décisions. Là, après, je vous explique comment infiltrer l'Assemblée nationale. La prendre, même faire un hold-up au mois de juin, quoi. Donc, voilà, le tout, c'est déjà première étape, réaliser qu'on peut communiquer, qu'on a des droits et s'en servir. Enclencher la transition démocratique, puisqu'on part sur le fait que la religion au pouvoir, qui est le croissantisme, qui est des ressources infinies dans un monde fini, arrive à sa fin. Tous les indicateurs sont en rouge. Donc, est-ce qu'on va subir ça ou est-ce qu'on enclenche, nous, on se prend en main, soit en vue de se retrouver dans une impasse et d'avoir déjà une structure où on peut discuter et s'organiser et prendre des décisions et qui sera plus juste, ou soit on se constitue, mais on va. Alors, le citoyen, c'est aussi une sentinelle. Et la représentation. Je suis un fils, ma fille. Ça m'a perturbé, cet appel, du Il y a eu coup. un petit problème de connexion là, mais ce qui a duré quelques Ouais, secondes. c'est ma fille qui m'appelait. Je disais quoi, du coup, cet appel m'a perturbé. On aurait dû en mettre. Bref, je te disais quoi, Pierre, s'il te plaît? Tu sais plus. Bon, c'est pas grave. Ce que tu pourrais nous dire, disons, aller un peu plus en détail, tu parlais des associations des associations de quartier, et tu disais que c'était une porte d'entrée Parce qu'il y a une loi. pour créer ces assemblées locales. Il y a une loi depuis 2018, il me semble, qui impose les villes de plus de 80 000 habitants à créer des conseils de quartier selon le modèle pratiquement des assemblées citoyennes locales. Alors nous, on a un problème pour trouver des salles. Le fait de venir dans ces assemblées de quartier, déjà, on aura un lieu, parce que l'assemblée citoyenne locale est d'abord un lieu.
avec des horaires le plus larges possible pour que les gens déjà viennent juste discuter, s'emparer des sujets d'actualité ou qui touchent aux besoins des habitants. Donc le but, c'est de prendre toutes ces assemblées de quartier, d'appliquer la charte, donc de les maîtriser. Je ne sais plus combien on en a ici, on en a 12, mais elles ne sont pas encore mises en place parce qu'ils ont du retard. Et ça, c'est une chance parce qu'on va aller les voir et on va aller leur dire qu'on va vous aider. On va faire les assemblées de quartier, au moins au niveau Annecy. J'espère que ça montrera l'exemple aux autres. En tout cas, on a le mode d'emploi. Alors, je ne vais pas vous l'énoncer. On a pour les villes de plus de 5 000 habitants, comment on procède. Pour les villes de moins de 5 000, comment on procède. Parce qu'il faut aussi des assemblées de villages, bien évidemment. Il ne faut pas se cantonner aux villes de 80 000 habitants, mais ce dispositif d'assemblée de quartier est le talon d'Achille, la porte d'entrée pour bouffer le système de l'intérieur, c'est-à-dire le troller, quoi. Comment on le trolle? C'est une fois qu'on commence à peser, alors ça prend du temps, il faut communiquer, il faut que déjà les gens soient, ou que la population soit au courant que ce genre d'assemblée existe. Pour l'instant, on débute, on a le temps, on ne veut pas d'énergie de précipitation, hein, tout ce qui est énergie néfaste. On essaye de l'enlever, on n'a peur de rien, on prend notre temps, on est bon, il y a un timing. Le timing, alors, pour le mois de juin, alors on boycotte, nous, certains iront voter, mais on ne parle pas des présidentielles chez nous, puisqu'on estime que c'est verrouillé. C'est verrouillé, on n'y a pas accès. Les résultats nous paraissent bizarres. Voilà. Nous n'avons pas confiance dans l'élection présidentielle. D'ailleurs, c'est les médias qui décident. À coup de court curseur médiatique, je monte lui, je descends lui, les gens votent ce qu'on leur dit de voter. Voilà. Donc celle-là, on l'oublie. Par contre, derrière, il y a les législatives. Juste une question, qu'est-ce que tu penses quand même de... Parce que c'est un moment médiatique particulièrement important quand même, la présidentielle. Bon, je comprends que vous êtes centré sur les questions locales, mais il y a d'autres mouvements qui essayent d'utiliser ce moment médiatique de la présidentielle pour faire connaître le reconstituant, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est intéressant d'occuper l'espace médiatique. Bon. Faudra se lever tard, comme d'habitude, à 2 h du matin. Tu sais comment ça fonctionne, quoi. Très rarement invité, décrédibilisé. Il faut avoir du La courage, ouais. presse mainstream appartient. Alors, on appelle ça aux oligocrates. Voilà. C'est encore autre chose que l'oligarchie. C'est vraiment un petit nombre, comme Voltaire disait chez nous. Un bon gouvernement, c'est un gouvernement du petit nombre et nourri par qui gouverne le grand nombre et nourri par lui. Tu vois le niveau, hein. On lui prête des citations qu'il n'a jamais dites, hein, comme je suis contre ce que vous pensez, mais je me tuerai pour que vous puissiez le dire. Ça, il l'a jamais dit. Par contre, il a dit des saloperies comme ça. Ce type a fait sa fortune en falsifiant. Il était fourrier de la. Enfin, il fournissait l'armée. Bon, je vais te couper là, parce que je vais te couper sur Voltaire, parce que c'est un peu loin du sujet. Je reviens sur C'est pour les dire qu'on assemblées. veut éviter toute forme de corruption. Le pouvoir corrompt. Le fait de donner à tout le monde le même pouvoir, de citoyen, de décider en conscience pour lui-même, je suis obligé de mettre en conscience, puisque je te dis, il faut évacuer, c'est une attitude d'être citoyen et il faut avoir accès au discernement, et les gens l'ont pas toujours. Donc c'est d'abord la recherche de l'équilibre du discernement. C'est très important. On peut qu'être éclairé. On n'est pas citoyen si, ben voilà. On sort jamais, on est asocial, enfin, c'est un minimum. Il faut repenser cette notion de citoyenneté à tout prix.
Et ça, c'est le travail des gens ensemble. Pour moi, il n'y aura pas de sauveur. Mais ça, après, c'est personnel et les gens qui m'entourent. Par contre, on va dire, allez, soyons un petit peu spirituels et l'univers nous demande de nous prendre en main déjà tous personnellement. Il y a quand même eu un sacré retour à soi dernièrement. Il faut se résoudre et après, vient une fois qu'on s'est résolu soi-même, qu'on est bien, qu'on paie, on va essayer d'améliorer, d'agrandir le cercle. Nous, maintenant, on en est au département. Le but après, ce serait de se fédérer, je te cache pas, et de faire une primaire citoyenne, chacun dans son coin. Il y a les présidentielles, alors je sais plus comment ça se tombe, mais pour le premier tour des présidentielles, on amène notre urne et on fait notre scrutin perso pour savoir déjà qui on va mettre comme candidat officiel des législatives. Sachant qu'il y a 57% de personnes qui réfutent, qui ne prend pas part au jeu électoral, on s'adresse à ces personnes-là, puisqu'on est déjà majoritaire. Donc il y a moyen de faire un hold-up. Le but, c'est de savoir combien de personnes vont voter, des promesses de vote. Ensuite, la campagne, elle coûte rien, quoi. Si on est sûr d'avoir 15 000 personnes, je rappelle, une circonscription, c'est 93 000 électeurs. La France est découpée comme ça. Ce qui est très intelligent, d'ailleurs. Donc, par 93 000 habitants, par tranche de 93 000 électeurs, dont 57% ne votent pas, je le rappelle, et donc ceux qui prennent part représentent une minorité, on peut pousser à avoir notre candidat. On aura au préalable défini nous-mêmes sa mission. Et ensuite, la façon dont on va lui donner cette mission. Donc là, tu Le parles de des législatives, c'est bien ça, hein? Et pouvoir tu parles des législatif, législatives 2022? c'est ça. Le pouvoir législatif, c'est le plus puissant, quoi qu'on en dise. L'exécutif doit suivre le législatif. Le législatif fait les lois, il fait les arrêtés coercitifs. On en est là. Alors, le but, c'est de reprendre ces 577 postes. Alors, on n'aura pas les 577, mais on peut en avoir un paquet. Alors, nous, on va s'occuper de notre territoire. Ce qu'on aimerait, c'est que tout le monde crée. Vous avez la possibilité de le faire, de créer ces assemblées citoyennes locales. Donc là, vous avez Restez la là. stratégie de, que je comprenne bien, la stratégie de, en Savoie. Donc là, d'essayer de peser dans les législatives en Savoie. Et l'idée, disons, l'espoir, ce serait qu'il y ait dans d'autres départements des gens qui fassent quelque chose d'analogue, c'est ça? C'est ça, de comprendre l'enjeu législatif. Alors oui, bien sûr, le prochain ou la prochaine présidente pourra décider de dissoudre l'Assemblée. C'est pas grave, on sait faire maintenant. En plus, ça coûte que dalle, on imprime nous-mêmes les bulletins, on met un post-it à la place des affiches, ça ne coûte rien. Hein. Et si on a 15 000 personnes, on fait un hold-up. Voilà, par circonscription, pas par département. Donc il faut bien une assemblée par circonscription. Après, une assemblée, c'est mutable. Donc pour les législatives, tout ce qui est rapport aux députés, on a l'assemblée, nous, 73-74, elle convient très bien. Pour la région aussi, pour les départements aussi, ça on gère avec eux, c'est-à-dire qu'on se confronte, on a un rapport, on a des relations avec la représentation à ce niveau-là. Et ensuite, pour descendre au plus près, il faudra quand même les matérialiser, ces circonscriptions, par le biais d'assemblées peut-être. Ça, c'est à discuter, on en discute la fois prochaine. Ce sera les débats de l'Assemblée qui sont retransmis en streaming. Hein, c'est dans la charte, il faut que ce soit retransmis en streaming. Donc là, c'est diffusé tous les mois sur Assemblée Annétienne, le Facebook, le YouTube, pour le coup. Et donc voilà à peu près l'idée. Concernant les législatives, on avait invité dans cette série Jacques Nikonoff avec sa dynamique populaire constituante. Et la question, c'est est-ce que vous avez des liens avec la dynamique populaire constituante ou ça n'a rien à voir? Non, rien du tout. OK.
Nous, on a juste, allez, Christian Lauru, LAU, RUT, pas très visible, inspirez ses voisins, il a sa chaîne YouTube qui s'appelle Demain la décroissance, je Donc pense. Christian Leroux, c'est celui qui a fait au fond le La cadre de charte, ces assemblées, le qui a cadre. monté la plus grosse assemblée, alors qui n'a pas tenu, hein, mais c'était dans les premières expériences. Peut-être qu'il y a encore, je sais pas du coup, mais il a monté la plus grosse assemblée citoyenne à Villeurbanne, qui est la plus grande ville hors métropole, je rappelle. Et d'autres, alors bon, 34 autres, je sais plus où exactement, mais bon, son parcours, il est visible, si vous voulez fact-checker ce que je vous dis. Il parle des ACL sous deux vidéos, une version courte de une demi-heure, une longue d'1 h 20, où il parle de démocratie, de municipalisme démocratique. Une petite différence avec le municipalisme libertaire, mais cette appellation-là me va très bien. Il parle de la mise en place des ACL et il parle notamment, il vous fait toute la revue de la charte que j'ai là, qui est d'une puissance assez. En tout cas, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de donner, pouvoir redonner l'espoir à des gens qui se disaient maintenant, il faut faire quelque chose. Et faire quelque chose, déjà, c'est de se réunir tous ensemble, de reprendre la cause des causes et d'arrêter de se battre, de lutter contre. Déjà, on essaie de pas lutter contre, on est plus dans le constructivisme, donc construire des choses et se séparer de ce qui ne nous convient pas. Comme la représentation actuelle, on va dire. Et puis voilà, quoi, c'est. Tu as bien expliqué ces assemblées locales, comment elles, disons, il y a cet aspect éveil des citoyens, des citoyens qui réfléchissent, qui discutent, qui peuvent, On a qui besoin peuvent d'éducation populaire, tu comprends? faire éducation populaire, exactement, ce qui est aussi un C'est objectif du ça. MCP, qui font pression sur les élus. Et la question que j'aimerais te poser, c'est parce que le fait qu'ils ont quand même pas de, juridiquement, ils n'ont pas un pouvoir. Ils peuvent faire pression sur les élus, mais ils n'ont pas juridiquement un pouvoir. Est-ce qu'il y a une façon, soit de faire des RIC locaux, est-ce qu'il y a une façon de faire quand même une démocratie locale avec un pouvoir des citoyens? C'est le but. Ouais. C'est ça, c'est le but. C'est déjà de voter entre nous, d'installer des RIC locaux. Parce que, bon, en notre sang, on a récupéré, enfin récupéré, j'aime pas ce mot-là, mais on a amalgamé les gilets jaunes avec le RIC, les problèmes de citoyenneté. On a des grévistes en tout genre, des révoltés, on a des gens de tous bords, et le but, et on a des gens qui s'inquiètent du climat aussi. Bon, le but, c'est la cause des causes. La cause des causes, c'est notre impuissance politique. Elle part de là. Donc, il faut la récupérer parce qu'elle est là. C'est juste qu'on ne veut pas s'en saisir. Donc, il faut faire l'effort de se baisser et de prendre la fleur démocratie et puis partager les pétales déjà avec ceux qui sont dans ta proximité. Et ça s'amalgame facilement. Et là, on va pouvoir faire des. En fait, non-stop d'Eric, en fait, déjà entre nous, pour savoir ce qu'il en est. Ensuite, on a un résultat, on va voir la représentation, on dit, bon, ben, nous, on a décidé ça. Oui, votre vote, il n'est pas légal. Hein. Bon, ben, on est, bon, pour une ville comme Annecy, on va dire, ou alors pour toute la localité Savoie, Haute-Savoie, avec les députés, les 6 qu'on a, ou 7, on va les voir et on leur dit, là, ce que vous avez voté, on n'est pas d'accord. Et on veut un RIC local. Alors, un RIC local, on ira voir un maire, il nous le fera. On a quand même des maires avec nous, enfin, qui n'ont pas le droit de parler, mais qui nous regardent et qui sont d'accord. Mais pour l'instant, ils sont maires, donc ils n'ont pas le droit de Je parler. crois Ils que parlent, ils parlent en off, quoi. juridiquement, les maires n'ont pas le droit de faire des RIC locaux, si j'ai bien compris, mais ils peuvent contourner la chose en faisant quelque chose qui ressemble à un RIC local, simplement en mettant en œuvre la décision que prise les citoyens. Voilà. Et nous, les législatives, si tu veux, tu reviens là-dessus parce que ça me fait penser que c'est la seule élection qui est prenable parce que, bon, il y a le fait que ce soit découpé en 80, en parts égales comme ça d'électeurs.
Le fait que ce soit occulté, parce que tous les projecteurs sont sur les présidentielles, les gens vont oublier. Si on prend par exemple l'élection présidentielle, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas répéter. Si je prends l'élection municipale, c'est pareil, il faut un budget. Nous, ceux qui ont gagné, c'est des partis politiques qui injectent le maximum du budget de propagande. C'est-à-dire pour chez nous, c'était 130 000 euros, c'est eux qui ont gagné. C'est les plus riches qui ont gagné. On n'élit pas un maire, on élit un conseil municipal qui, lui, va se charger d'élire un maire dont les gens n'ont pas la main. C'est tous les maires ensemble qui vont se charger d'élire un sénateur, pas la main. Dans le cas d'une agglomération, d'une communauté de communes, ce sont les conseils municipaux de chaque commune qui vont décider entre eux. On n'a pas la main dessus. Bon, s'il reste les régionales, peut-être européennes, les trucs, bon, on n'était pas là-dedans à ce moment-là. Peut-être que ça, c'est possible, mais je vois très peu d'intérêt des organes comme ça. Et je serais d'avis de les supprimer en même temps que les préfectures. Là, je mettons une dernière question, peut-être. Si, pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées à collaborer avec soit l'Assemblée annécienne, soit l'Assemblée citoyenne locale de Savoie 73-74, comment est-ce qu'ils peuvent collaborer, sachant qu'il y a dans le MCP, il y a aussi un maillage territorial? Mais ceux qui nous écoutent, ils peuvent être au MCP ou ils peuvent ne pas être au MCP. Comment collaborer avec vous? Ben, si ce que je dis percute chez quelqu'un qui souhaite nous rejoindre, bon, ben, envoyez un mail déjà. On prendra contact assemblée.anessienne@gmail.com. Je répète du coup, assemblée.anessienne@gmail.com. Ensuite, s'il va sur notre site qui est sur Communecté, qui est un genre de Facebook Lite en open source, sans algorithme, sans traçage, sans rien, on fait ce qu'on veut dessus. Ou d'ailleurs, il y a des partis politiques qui se mettent dessus, j'ai vu là. Nous, on communique là-dessus, on communique les dates des prochaines. S'il est dans la localité, c'est ouvert. Il connaîtra la date, le lieu, il suffit de s'y rendre. Il n'y a pas de souci. Après, lors des débats, des échanges, on a l'idée, c'est de nommer, et on en a, et j'aimerais qu'ils sortent de la timidité si Christophe et Nathalie m'écoutent, ils doivent être rouges comme des tomates, mais on a des gens compétents, chacun à sa place au sein de cette aventure. C'est une aventure, l'aventure démocratique. Et on a des gens, des facilitateurs qui connaissent les ateliers constituants, qui connaissent la sociocratie, qui savent. Un débat, il faudrait deux arbitres qui reprennent les débatteurs en cas d'excès. L'excès, c'est débat non argumenté, des excès dans une énergie qui n'est pas bienveillante, donc qui donne lieu à la mauvaise foi, sourcer toutes ces choses, parce que ce sera fact-checké. On a des personnes dans notre sein aussi qui passent leur journée à checker les news. C'est une passion, voilà. On en a des comme ça. Je suis tombé dedans une fois il y a très longtemps. On en a. Ces gens-là peuvent venir checker tout ce qui se dit, fact-checker tout ce qui se dit dans les débats. Alors, si on a un problème particulier, un spécialiste, on peut faire venir un spécialiste, comme on a fait la dernière fois. On veut entendre l'avis d'un spécialiste, professionnel, j'en sais rien. Mettons un médecin. Allez, on va rapporter ça à l'actualité. Un médecin peut venir nous parler si on lui demande. Et le top, ce serait deux qui ne sont pas d'accord. On se nourrit de la contestation pour déceler une voie du milieu. Voilà. À la limite, c'est plus facile quand on a deux extrêmes qui s'affrontent, deux polarités. C'est vraiment la voie du milieu, quoi. On sait que chacun devra faire des concessions. Et c'est équilibré. Bon, ça touche un peu à une dimension un peu qui nous dépasse, mais ce
qui nous manque, et on le voit cruellement à l'Assemblée nationale, j'ai regardé hier, c'est la sagesse, quoi. On manque de sagesse. La sagesse, c'est simplement de considérer l'autre et de considérer son point de vue déjà. Et ensuite, on avance. Pourquoi tu penses ça? On avance. Là, de ce qu'on voit, on a de la culpabilisation, de la victimisation, de la peur. On a tous les ingrédients qu'Hannah Arendt avait écrit pour le mode d'emploi d'une dictature. Tout y est. Donc, Oui, c'est pas facile prudence. d'avoir une bonne discussion, effectivement. Ouais. Donc, ceux qui veulent participer, au fond, c'est très simple s'ils sont en Savoie déjà. Donc, là, ils peuvent directement, ils sont dans la C'est localité. ça. Pour ceux qui sont en dehors de la Savoie, c'est moins évident, j'imagine. C'est plus s'ils veulent faire quelque chose de similaire à vous, chez eux, C'est quoi. ça, ouais. Ouais, ça, on est prêt à accompagner les assemblées qui voudraient se monter, hein. Faire passer les documents, notamment la charte générale des assemblées et les modes d'emploi pour créer les assemblées de quartier. Ok, maintenant, si, à moins que tu aies quelque chose que tu aimerais rajouter avant, sinon on peut passer aux questions des internautes. Ouais, vas-y. Alors, Gaëlle, la parole est à toi. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Gaëlle. Rebonsoir. J'ai peu de questions. J'ai peu de questions pour toi ce soir. Bon. Mais bon, il y en a déjà quand même. Alors, la première est de Mike. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque. On a la preuve aujourd'hui sous les yeux que nos représentants, pardon, que nos représentants œuvrent contre le bien commun. Tout à fait. Donc, tu veux que je réagisse par rapport à ça? Oh, bah, tu as déjà un peu réagi, mais si tu as envie Ouais, de voilà. rajouter Le quelque pouvoir chose. corrompt, on a, par exemple, là, si on prend un sujet d'actualité, qui est le vaccin obligatoire. Certains vont amener des arguments. On n'est pas obligé de se perdre dans les arguments. On peut simplement trouver le plus simple, déjà, des arguments, qui est le conflit d'intérêts qui est là sous nos yeux. Là sous nos yeux. J'ai eu un coup moral l'autre jour quand même, quand j'ai regardé l'action Moderna en un an, qui a fait 1500%, s'il vous plaît. Vous avez mis 1000 euros l'année dernière, vous êtes millionnaire aujourd'hui. Simplement, juste ça, c'est juste incroyable. Comment peut-on admettre ça? On connaît le passif des entreprises qui nous proposent de nous injecter quelque chose. Le passif, c'est, je ne sais plus qui c'est, vous l'avez dit, mais on ne confie pas un gamin, un pédophile multirécidiviste sorti de prison. Parce que là, c'est le cas. Je ne vais pas vous rappeler. Voilà, c'est des entités supranationales qui nous gouvernent. Mais qui nous gouvernent en plus. C'est-à-dire qui nous, vraiment, on s'est laissé diriger. On a perdu tout sens des responsabilités déjà parce que on va se confronter à notre ego qui va dire c'est pas possible, ils peuvent pas nous trahir comme ça. Mais il faut relire Rousseau, le contrat social. Je veux dire, si les élites peuvent nous trahir, l'argent corrompt, le pouvoir corrompt. Donc voilà, faut sortir de ça. Il faut enlever déjà, il faut que la politique soit gratuite, absolument gratuite. On ne veut pas de professionnels de la politique, ça doit être un service. Aller représenter sa circonscription à l'Assemblée, il y aura, oui, ben, d'ailleurs on appelle ça indemnisation, mais les gens là, c'est plus des indemnisations qu'ils ont. Ils sont pas là déjà. On ne représente pas, il y a des gens là qui agressent. Alors bon, je suis pas pour l'agressivité, je suis pour le dialogue. Mais on en est à ce que les gens attaquent leurs députés, quoi, crament leur bagnole, mais on va où là? C'est que ces gens font pas le job, ils nous trahissent sans cesse. On l'a bien vu déjà depuis 2005, c'est flagrant. Donc il faut se prendre en main, tout simplement. On va définir nous-mêmes les règles du jeu. Écoutez, s'ils le veulent pas et qu'on s'amasse en nombre. Il faut être pertinent, simplement. Je pense pas que j'ai été. Bon, je suis malade. Hein.
J'ai de la fièvre, donc des fois je suis un peu incohérent, je m'en excuse. Mais je comptais vachement sur cette soirée pour être le plus clair possible et je m'aperçois que des fois ça part en cacahuète. Quoi qu'il en soit, on a une opportunité là, et c'est une opportunité de voir tous les dysfonctionnements autour. Les grosses entreprises, même plus les gros conglomérats d'entreprises qui ont pris les nations, tout simplement. L'Europe qui est complice, et des gens complètement perdus. Et on utilise la vieille recette qui est de créer de la violence horizontale pour éviter la verticalité des problèmes. On regarde pas en haut. Par contre, on va regarder la coupe à Macron, et savoir si on va revoter pour lui, quoi. Donc maintenant, il faut revenir aux bases, quoi. La base, c'est déjà de conscientiser. On a fait déjà ce boulot-là ici. J'en suis très fier. Je pensais pas en arriver jusque-là. Hein. C'est vraiment une aventure humaine. De ce travail de conscientisation déjà pour un paquet de monde qui se côtoie pas forcément tout le temps déjà, et qui ont plaisir à venir en assemblée déjà, voir ce qui s'est dit, prendre part aux discussions et puis se manger un gueuleton ensemble parce qu'on apporte tous les trucs cocos à la fin et on passe une très bonne soirée. Voilà. Ok, merci Stéphane. Justement, par rapport à ces assemblées, Gaëlle me demande comment animez-vous ces assemblées de village, ces assemblées de quartier? Avez-vous des professionnels de l'animation pour ça ou des professionnels de l'intelligence collective? Alors effectivement, on en a, seulement parce que je les connais, ils viennent en assemblée de temps en temps, mais je crois qu'ils n'osent pas. Donc alors, qu'attendre le bon moment, mais je crois que ça va être le moment, parce qu'on a vraiment des professionnels, ouais. À Chambéry, en plus, alors ça, je pense pas qu'ils connaissent encore notre existence. On a l'université du Nou. D'ailleurs, je vous encourage de regarder leur webinaire qui apprend tout ce qui est sociocratie, la gestion par consentement, les différents types de scrutin. C'est très court, c'est très riche en, c'est très pédagogique. Il y a tout ce boulot-là à refaire. Échanger son schéma de pensée, c'est-à-dire que l'autre n'est pas un ennemi potentiel. Et là, avec moi, on est en sécurité. Voyons voir ce que tu as dans le crâne. Examinons ensemble pourquoi moi je pense ça, pourquoi toi tu penses ça, ou un groupe pense ceci, un autre groupe autre chose. Bref, c'est de la démocratie en fait. Ouais, Pure, ça radicale. s'apprend. J'ajouterais juste un point, c'est une information, c'est que le 25 janvier, donc dans cette même émission, à la même heure, on aura des invités qui nous parleront justement de l'intelligence collective. Bien sûr. 25 Et des janvier. gens, alors on a des gens qui ne se sentent pas concernés, qui écoutent notre projet, par contre, qui sont très intéressés, mais qui ne se voient pas dans une assemblée. Alors, certes, il n'y a pas de souci. Par contre, je leur demande, parce que ça nous trotte dans la tête de délivrer gratuitement une carte de citoyenneté. Pour déjà penser qu'on a passé un niveau, quoi. D'électeur, on passe à citoyen. Alors, déjà, on se sent mieux. Et je leur demande, as-tu plus confiance dans les décisions qui vont être prises collectivement en assemblée? Donc, il fait appel à l'intelligence collective. Ou est-ce que tu as plus confiance au Parlement et exécutif actuel? Bon, sans hésiter, ils prennent la carte. Donc déjà, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils adhèrent au fait que, en gros, je suis pas content, je ne me sens pas représenté. Ce système ne me permet pas que je sois représenté. Par contre, il y a des individus qui prennent des décisions, eux, je les reconnais et je donne mon aval à leurs décisions en ayant la carte. Après, on estime qu'à la longue, il y aura un intérêt qui viendra puisque on n'est pas obligé de siéger tout le temps. Ça doit tourner, justement. On peut suivre, de toute façon, en direct ou en différé, la tenue des assemblées. Et venir prendre part à la fois d'après, ou même s'exprimer offline, c'est possible. Donc voilà, on sent bien là-dedans, quoi, dans ce schéma-là.
Ok, merci. On continue avec une question de Rémi. Se constituer sur tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs, judiciaires, mais surtout monétaires, informatifs et environnementaux, n'est-il pas vital? Effectivement, c'est pour ça qu'à ma grande surprise, à la première assemblée tenue d'assemblée de l'ACL, 73-74, c'est que deux commissions se sont créées spontanément par le public qui était venu. Une commission monnaie, pour réfléchir autour de la monnaie, sur l'agriculture. Donc on a déjà ces deux commissions-là, on espère se saisir de chaque thème. Les gens travaillent ensemble sur la monnaie. Ici, on a la monnaie locale qu'on voulait un peu booster par le biais des municipales, mais ça, c'est pas perdu, elle est toujours là. Est-ce qu'il faut s'en saisir? Est-ce qu'il faut prendre un autre système? Il y a des gens qui sont calés là-dedans aussi, qui ont la passion, c'est de réfléchir à ces sujets-là. On les invitera, ils les inviteront. Je fais pas partie des commissions, donc. Mais ils les inviteront, ils nous présenteront leurs projets, leur travail, et on en rediscutera. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, merci. Pour aussi pour les présidentielles, à terme, quand on a pris le législatif et qu'on transforme les lois, qu'on instique, qu'on l'instaure, bon, je pense qu'au début, on veut tous le riz constituant, on est d'accord? Au moins ici. Donc, on pourrait mettre ça, mais aussi changer la règle du jeu, quoi. Faut-il élire un président qui, lui, va nommer un premier ministre, chef du gouvernement, dont on n'a pas la main, qui va désigner des ministres. On ne peut pas désigner nous-mêmes des ministres. C'est une possibilité. On doit réfléchir à tout. Tout est démontable, en fait, et doit l'être pour assurer notre sécurité, notre souveraineté. Le but, c'est quand même notre souveraineté. La souveraineté, c'est la capacité de décider pour soi en accord avec un collectif. En fait, s'il y avait le RIC constituant, on pourrait ensuite se poser toutes ces autres questions. Il pourrait y avoir des initiatives lancées par des citoyens sur ces autres, questions. Comment on accède au RIC? Par l'Assemblée nationale, en allant troller l'Assemblée nationale, mais en masse. Parce que là, il y a moyen de faire un hold-up aux prochaines élections. Une Alors difficulté. Après, la transition démocratique, peut-être que je suis trop pressé, ça ne se ferait peut-être pas là cette fois-là. Ce qu'on en sait, ce que Murray Bookchin nous apprend, c'est que faut pas se décourager, c'est une transition démocratique, ça prend du temps, c'est un éveil citoyen, un éveil, j'ai la capacité de réfléchir par moi-même. C'est incroyable. J'ai plus à allumer un média ou lire un journal qui va m'expliquer comment je dois vivre, ce que je dois manger et où c'est que je dois passer mes vacances. J'ai halluciné, ça fait un an que je prends pas de vacances. Ça fait quasiment pile poil un an parce que jamais confiné. On a injecté 10 milliards, s'il vous plaît, à Airbus. Je travaille dans l'aéronautique. Bon, maintenant, je bosse non-stop. Et pour faire quoi des avions? Je comprends pas, quoi. C'est des choses qui ne sont plus cohérentes. On est géré par le profit, par des croissantistes qui sont malades. C'est une maladie. Hein, pour nous. Penser que ils sont énervés contre nous, on nous culpabilise, ils se victimisent. Il n'y a plus de débat possible et avec les vraies règles du débat, ce qu'on n'a pas du tout dans le paysage audiovisuel, sauf peut-être, je mets un bémol. Sur ces politiques, je crois qu'il y a une émission sur la 5 ou Arte, je sais plus, assez tard. On a retrouvé quand même, on trouve des traces de mauvaise foi quand même, hein, ils sont pas encore au top, mais les débats sont quand même plutôt bienveillants et ouvrent déjà sur d'autres perspectives. C'est-à-dire que la situation actuelle. Mais il faut s'améliorer, c'est sûr. Il faut exiger des débats vraiment socratique pour nous. Si vous voulez en savoir plus sur le débat socratique, c'est Demos Kratos, la chaîne là, que vous connaissez bien, qui en parle très bien, qui a fait une émission sur le débat socratique. Il devait à un moment donné lancer des débats socratiques, qu'on se rende compte de quoi ça allait. Il l'a jamais fait. Pourquoi, je sais pas, je suis pas en relation avec ce gars qui a l'air
très charmant au demeurant. Donc voilà, nous on va vous montrer la voie si vous voulez bien. Alors, vous montrer la voie, c'est un peu gros dans le sens où des assemblées citoyennes locales, peut-être sur pas la même charte, fonctionnent déjà. Mais on a déjà des ébauches d'assemblées citoyennes locales en France. On en a en Alsace, on en a dans les quartiers de Paris, en Bretagne, et après dans le reste du monde. Hein, le municipalisme, il a une histoire de 2000 ans, hein, c'est né avec la démocratie athénienne. Donc, on s'aperçoit en fait que les grands penseurs, ceux qui avaient une sagesse, on arrive à la Rome antique et après il y a une cassure. Il y a une cassure, l'Inquisition, c'est après on voit bien que ce que nous on appelle ça le Moyen Âge, mais les Anglais appellent ça the Dark Age. Et j'ai l'impression que maintenant on remonte et on réintègre un peu cette façon de penser, quoi, cette façon de dire que déjà tout est juste, tout est en place. Et que maintenant, je dois prendre ma place au sein de la société. Sauf que la société, elle n'existe plus. Hein, d'accord. Le minimum d'une société, c'est de se parler et de voir au moins la communication non verbale du visage pour comprendre l'autre. Hein. Là, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, et nous, on a tendance à faire l'inverse de ce qu'on nous demande. Donc, on nous isole. Nous, on se passe en assemblée. Et ça fonctionne. En tout cas, les gens sont contents de venir. Ça donne de l'espoir. Alors, certaines personnes sont plus virulentes et espéraient peut-être plus d'action. J'en suis désolé pour eux de ne pas trouver peut-être ça à l'Assemblée citoyenne locale, mais ça n'empêche pas de le faire à part et de venir quand même voir ce qui se passe et discuter. Et je rappelle, l'Assemblée est apartisane, donc ce n'est pas le lieu d'un groupe de personnes qui viendraient pousser, enfin faire du lobbying. Les lobbies, nous, on va les écouter. C'est-à-dire, on va les interroger, les lobbies. Ils sont bienvenus de discuter avec nous. Mais par contre, les décisions, c'est nous qui les prendrons, sans eux. Très bien, merci. Je pense que la remarque d'Eva va dans ton sens. Hein. Elle dit, la considération des citoyens a-t-elle existé un jour? C'est de pire en pire. Bon, là, j'imagine que ça a été pire dans des heures les plus sombres de notre histoire qui sont pas si lointaines que ça. On devrait voir ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à la psychologie des médias et des communicants politiciens. Ils nous expliquent comment on doit dire. Ils connaissent la psychologie par cœur, quoi. Ils utilisent des méthodes. Et ils le font exprès pour qu'on n'ait plus de contrôle et qu'on subisse. On est sous leur contrôle et on subit. Et on n'a plus cette habitude-là. Et maintenant, presque, elle ferait peur, c'est-à-dire de retrouver notre liberté. Donc, j'imagine que la liberté, faut y aller doucement avec la liberté. Parce qu'il y en a qui sont paniqués, ils s'imaginent même pas pouvoir prendre des décisions pour eux, quoi. De récupérer sa souveraineté. Récupérer sa souveraineté, c'est le citoyen. Voilà. C'est notre socle commun, nous. C'est le plus petit commun dénominateur, c'est la citoyenneté. De là où découlent tous les problèmes qu'on rencontre. Hein. Le climat, si on considère. Là, j'utilise « on » volontairement parce que moi, certains ne sont pas persuadés, d'autres le sont. Ça, c'est à discuter aussi. J'ai l'impression qu'on va nous refaire la même chose avec le climat, là. C'est à chaque fois des expériences sociales. Donc là, on l'a fait avec les virus. On a des bouquins, hein, plus qu'il en faut, avec le mode d'emploi le même, de ce qui est en train de nous arriver. Et on sent bien arriver l'enjeu climatique et une dictature par rapport à ça. Donc, j'ai tendance à annoncer un peu la couleur avant. Donc, là, cette fois-là, je vous l'annonce. Ce ne sera peut-être pas cette année, mais bon, donc ça aux lèvres. Et ils sont en train déjà de faire le rapprochement. À savoir, on a quand même un gars qui s'appelle Delfrécy, qui est au conseil scientifique de Macron. C'est le chef de ça. Qui n'est pas élu. Peut-être, ça c'est une supposition que...
le secrétaire de Macron lui-même, a pensé que c'était le meilleur sur la planète pour le faire ça. Sauf que ce type est président de Santé, Projet Santé 2030, qui est présenté comme un think tank, et en 2016 nous raconte la nécessité de organiser le monde sous une gouvernance mondiale par rapport à l'OMS sur la base sanitaire. Donc, allez vérifier, fact-checker ça, parce que ça, c'est quand même une honte, c'est quand même des choses. On n'est pas obligé de se brasser sur des chiffres à la con, ça, c'est un fait. Et ça, c'est juste inadmissible. Et de là, par tous les conflits d'intérêts. Hein. Quand je regardais la télé, quand je l'avais encore, parce que là, je l'ai plus, du coup, au tout début de la crise, je regardais les gens qui me parlaient, les médecins, tout ça, et la première chose que je faisais, c'était qu'ils me parlent. Et les conflits d'intérêts, on les a tout de suite. Hein, Wikipédia marque les conflits d'intérêts. Après, il y a un site, je ne sais plus quel site, mais les gens mettront en commentaire plus tard, les gens de chez nous qui connaissent le sujet. On peut vérifier, c'est une obligation, c'est dans la loi. Ils doivent donner leur bien d'intérêt. Ils ne le font pas. Voilà. Et il y a trop de copinage. Là, ça atteint un point qui ne devrait pas être révoltant, qui est révoltant, mais bon, il va falloir se raisonner, se mettre ensemble. Ensemble, on va être, j'ai le sentiment d'être puissant ensemble. Voilà. Par contre, trouver un sauveur, monter un parti qui est clivant, s'intéresser, bon, allez, on va prendre tous les fans de Greta Thunberg et puis on dit que, faut s'attaquer au changement climatique. Ok. Mais la cause des causes, c'est pas ça. Là, c'est des conséquences. On faille des conséquences. Le climat, c'est une conséquence du capitalisme effréné qui détruit les ressources et le biocide. On a un biocide de masse. C'est beaucoup plus important qu'un ou deux degrés, je pense, dans la hiérarchie des problèmes. Ce qui va nous attendre au niveau de l'extinction de la majeure partie des espèces, si on continue comme ça. Puisqu'il faut faire des gamins pour engendrer les retraites, y compris le truc. Alors qu'il faudrait gérer sa population et gérer sa résilience, c'est-à-dire la capacité déjà à se nourrir soi-même. À Annecy, on a une autonomie alimentaire de 0,76%. Comment on fait? Donc le local, c'est super important parce que ça va nous obliger à nous émanciper politiquement, la première des choses, économiquement par le biais des monnaies locales ou autres systèmes, et alimentairement. On a besoin de cette émancipation-là. Ça va être les assemblées citoyennes locales pour le local. Et ensuite, elle aura, une fois que tout ça sera installé, l'obligation de, je ne sais pas trop ce terme d'obligation, ça ne doit pas être ce terme-là, mais de se pencher sur la représentation, c'est-à-dire qui elle envoie, qui elle prend, comment elle décide son système représentatif, si elle décide de prendre un système représentatif, au final. Parce que ça aussi, tout est discutable. On peut discuter de tout. On ne va pas se limiter à un schéma de pensée, vous comprenez? Justement, ça. Oui, bah justement, ça revient à la question de Rémi. Très bonnes idées, mais que faire avant le scrutin prochain? Se rassembler en assemblée citoyenne locale, déjà d'une. Porter la bonne parole, dire qu'on va prendre certainement, toujours mettre une probabilité, parce que peut-être qu'on ne les aura pas. Mais en tout cas, ça donne une carotte, quoi. Un objectif. On ne fait pas pour. On veut reprendre le pouvoir, bon ben, c'est un exercice pratique. On bosse la théorie en assemblée, en exercice pratique, comment on reprend le pouvoir, on essaye de prendre ces législatives-là, qui sont les prochaines, hormis les présidentielles, mais on a déjà parlé de ça. Donc d'ici là, se réunir en assemblée citoyenne locale, écouter ce que dit Christian Lauru, parce que lui, il le dit mieux que moi, tout ce que je vous dis là, d'appliquer la charte, et après, on montrera peut-être grâce au MCP, pourquoi pas, qui a une vision plus nationale du problème. Nous, on est local. Et c'est pour ça qu'on reste avec vous, parce que bon, vous avez cette vision globale qui nous intéresse, tout du moins nationale.
Peut-être qu'une assemblée naîtra grâce au NCP, mais celle-ci nationale bien avant que les législatives n'aient lieu. Pourquoi pas? Ça peut aller très vite, en fait. Hein, si on se... Le but, c'est de trouver. Alors, ce qui est difficile, c'est de trouver un lieu. Ça. Donc, nous, on y va avec la représentation locale. On leur demande une salle. J'ai eu la première. Les deux d'après, on a eu du mal, mais on va continuer à monter augmenter la pression, et puis on va leur exposer aussi notre projet à tous. Députés, maires, conseillers départementaux, on veut les rencontrer pour exposer notre projet. On ne veut pas leur faire un enfant dans le dos, hein. On va leur dire ce qu'on va faire. Normalement, c'est des mouvements démocratiques, écolos, là, qu'on a tous voté, là, élus. S'ils veulent de la démocratie, nous, c'est bon, on a le plan. Hein. Donc, ils seront un peu déjà obligés de nous donner au moins une salle pour réunir. Vous aussi, hein. Après, vous pouvez demander à une association sympathisante de vous allouer une salle. Mais après, plus on monte en puissance, plus on obtient les choses. Ce qui fait foi, c'est le nombre. Ce qui fait la puissance politique, c'est le nombre. Et il faut sortir du virtuel. Donc, c'est-à-dire, on ne connaît pas la puissance politique vraiment dans un LREM. On a ce que des. Tout ça, c'est des oui-dire. On ne sait pas. Donc, il faut vraiment expérimenter. Moi, j'ai jamais été sondé, par exemple. Soffret, Ipsos, voilà. Par contre, nous, on peut faire des sondages, on en fait pour voir, prendre la température. Et ça n'a rien à voir. Bon, est-ce qu'on a une spécificité ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, à un moment donné, toutes ces assemblées citoyennes locales vont devoir, si elles voient le jour, se fédérer. Là, on passe le cran au top, au législatif, quoi. On est vraiment face aux législateurs. Justement, voilà, vous rejoignez la question de Béatrice. Que pensez-vous de l'idée de constituer un lobby citoyen? Moi, ça me va très bien. Christian Lauru m'a repris là-dessus qu'il fallait que c'était un piège de tomber dans le lobby. Mais moi, ça me gêne pas dans le sens où tout le monde est d'accord pour une décision, de faire pression sur la représentation de la décision qui a été prise grâce à l'intelligence collective. Donc, ma vision, elle est de d'abord être un lobby citoyen, fonctionner comme un lobby citoyen pour s'amalgamer, mettre la pression sur des décisions qu'on trouve injustes ou qui méritent d'être discutées, ou des questions qui sont à poser, ou des enquêtes aussi à mener. On peut mener des enquêtes. Donc, voilà, je sais pas si la question c'était. Très bien, très bien. Que pensez-vous du lobby citoyen, de l'idée du lobby Voilà. citoyen? Donc d'abord un lobby citoyen pour ensuite arriver à l'ultime étape, arriver à mettre ses propres représentants, décider avant de qui on choisit comme représentant dans telle ou telle institution. Le but, c'est de réformer les politiciens. Faut trouver un nom pour les politiciens, là. Les citoyens, les politiciens. Les politiciens veulent réformer. Réforme des retraites, réforme du code du travail, réforme de ci, de là. Mais ils ne réforment jamais les institutions. Nous, on est OK pour réformer, mais on commence par les institutions, et c'est logique. N'importe quel enfant comprendrait ça. Donc, il faut commencer par les institutions. Et ça ne viendra pas d'eux, comme Étienne Chouard le dit si bien, ça ne viendra pas d'eux. Donc, l'autre voie de secours, c'est d'attendre le collapse ou une révolution. Quoi qu'il en soit, il faudra un autre système derrière. Et ce système en assemblée a fonctionné, fonctionne encore. Ça a sauvé l'Argentine, hein, ces assemblées citoyennes locales, le municipalisme, le fait de se fédérer et s'organiser par quartier. Ça favorise la solidarité, le contact, faire société. Et nous, on a des leviers. Hein. On ferme une entreprise. Bon, maintenant, on a la puissance pour créer une SCOP, par exemple. Et ce sera les gens qui travaillent dedans. Il appartient. Alors, une SCOP, c'est un tiers d'élus, un tiers de citoyens et un tiers des salariés, quoi, en conseil d'administration. Mais on peut très bien le faire. Le but, c'est vraiment de tout redonner, de se ré récupérer le bien commun.
C'est confisqué à l'heure actuelle, même pas par des élus, par nous. Ici, le bien commun, qui est l'eau, l'électricité, tout ça, on n'y a pas accès. Hein. Ce n'est pas des gens qui ont été élus. Hein. C'est le conseil d'agglomération. On ne touche pas à ça, c'est précieux. Alors que nous, on voudrait pouvoir payer nos notes d'eau, puisque c'est local, avec notre monnaie locale, par exemple. Ce qui favoriserait l'économie. Donc là, vous avez justement une proposition de Jean-Frédéric. Bonjour, pourquoi ne pas constitutionnaliser la redevance audiovisuelle citoyenne pour que chaque citoyen puisse financer les médias de ses choix? Alors, c'est là que c'est compliqué parce que bon là je parle en tant qu'assemblée, enfin je parle de l'assemblée citoyenne locale, mais elle est indépendante de l'assemblée annécienne, qui est en collectivité, puisqu'on rappelle, l'assemblée citoyenne locale est neutre. L'idée, c'est justement que ce lieu soit le recueil aussi de propositions comme celle-là. Mais ce n'est pas à moi de dire oui, il faut faire comme ça, et de construire un programme. L'erreur, c'est de construire un programme. On nous a appris comme ça. C'est-à-dire que les partis se constituent en partis avec des programmes. Et dans le package des programmes, après, on n'a pas le choix, on est bloqué. Avec des fois des promesses qu'ils ne font pas. Et la petite astérisque qui est dedans, bon, on n'aurait pas voté pour ça, mais comme il y en a une qui est sexy, je vais voter pour ce programme-là. On se fait avoir comme ça. On n'a pas besoin d'avoir de programme. Il ne faut surtout pas de programme. C'est qui pour nous représenter en finale. Ensuite, les propositions, elles viennent du citoyen en assemblée qui fait ses propositions pour améliorer la situation. Et c'est comme ça que le chemin se remonte ensuite sur l'Assemblée nationale, on va dire législative, et exhorte l'exécutif d'agir comme selon la loi qu'on a modifiée, changée, ou selon l'arrêt, ou selon même l'article de la Constitution qu'on aurait modifié. Mais en tout cas, c'est le recueil de toutes les propositions. Alors, les ACL vont vous conférer un pouvoir de décision locale, confédère au niveau national, régional, ça peut être un peu plus petit. Mais on ne peut pas vous donner on n'a pas vocation, ce n'est pas une organisation qui a vocation à vous donner la solution à tous les problèmes. Justement, c'est un truc qu'on doit réfléchir ensemble. Maintenant, on en est à réfléchir ensemble de comment on fait. Pas laisser quelqu'un sur le carreau qui comprend rien à la situation. Au contraire, faut peut-être l'accompagner. Psychologiquement, je parle. Parce qu'on oublie l'aspect psychologique en ce moment, le mal qui est fait psychologiquement aux personnes, qui voient. J'ai l'impression d'entendre De Gaulle qui disait qu'on était des veaux, quoi. Alors Rémi, plus pragmatique que la psychologie, pour faire du lobbying, il faut un truc qui n'est pas affiché. La thune. L'argent, la question de l'argent. Bon, pour faire du lobbying, non, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'argent. Il suffit d'avoir déjà une notoriété. La notoriété, ça se gagne et on doit la gagner. Si on importe l'économie, donc le financier dans la politique, on va repartir dans les mêmes travers, c'est-à-dire de la corruption, des malversations. Donc ce lobby citoyen, si on veut l'appeler comme ça, n'a que de lobby que parce qu'il est majoritaire au monde, tout simplement. Un vendeur tabac n'est pas majoritaire en nombre. Alors certes, il utilise les moyens de corruption, de bafiche, il va s'installer à côté du Parlement européen, il pourrait jouer. Nous, déontologiquement, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça, mais par contre, avec de la pertinence et une force politique du nombre qui est là. C'est là, hein. Il faut juste qu'il se retourne et regarder pourquoi on ne participe pas à ces élections, pourquoi on est dégoûté et pourquoi on ne reprend pas notre souveraineté,
Nous, on est là pour répondre à ça. C'est clair ou je dois préciser des choses, dis-moi. Non, non, c'est bon. Une question de Eva. Que pensez-vous de la candidature de Clara Eger, qui n'a pas de programme? Alors, je ne connais pas du tout. On m'en a beaucoup parlé, on m'a demandé d'écouter, mais bon, le truc, c'est que j'écoute ce que je veux déjà. Et je ne m'intéresse pas, mais vraiment pas au présidentiel. Parce que je sais une chose, c'est qu'elle ne gagnera pas aussi bien qu'elle. Je t'ai pas Par dit. le trucage, par le. Alors, j'espère avoir faux, hein. Voilà, mais c'est la stratégie que je ne m'intéresse pas à cette stratégie. Je veux tout donner sur les législatives qui sont justement cachées derrière et personne ne regarde. Mais ça commence à venir à certaines bouches. Donc, va falloir être prudent, mais faut sauter sur l'occasion. Après, Clara Eger, ben, je suis sûr qu'elle est très bien. Déjà, si elle part sans programme, c'est excellent. Ce qui serait bien, c'est qu'ils se mettent tous d'accord, parce qu'il y a d'autres personnes bien, il me semble, comme Asselineau. Après, certains parlent de Mélenchon. Moi, personnellement, je connais pas bien. Enfin, voilà, je suis un peu éloigné de toute cette politique politicienne. Et j'aimerais vraiment retrouver des citoyens, quoi. Revoir des citoyens, parce qu'ils n'existent plus, quoi, ici. Alors voilà, désolé, je la connais pas, mais je suis sûr qu'elle est très bien. Et bon, bah, le fait qu'elle n'ait pas de programme, c'est tout juste. Vous pouvez, si vous voulez mon consentement, vous l'avez. Allez-y. Moi, j'irai peut-être à la pêche. Il faudra que je m'y mette parce que je pêche pas. Et bon. Ou alors je travaillerai pour les législatives. Voilà. Bien. Je Tu réagis? vais juste préciser que Clara Eger, elle a pas de programme parce que elle entend, si elle est élue, elle n'entend pas gouverner. Ce serait le premier ministre issu de l'Assemblée, de la majorité parlementaire qui gouvernerait. Et elle se présente. Enfin, il n'y aurait pas, si elle était élue à la présidence, elle essaierait pas, elle n'aurait pas de candidat aux législatives. Donc elle n'essaye pas du tout de faire ce qu'on essaye d'habitude de faire. C'est le président essaie de gagner les législatives derrière et de capter le pouvoir du Premier ministre. Donc Oui, c'est pour ça que Sarkozy. c'est pour ça qu'elle n'a pas de programme. Mais par contre, elle a un unique objectif qui est l'instauration du RIC constituant. Parce que disons, un avantage, hein, de la présidentielle, évidemment, la présidentielle est très difficile à gagner. Et puis la stratégie, je crois, de Clara Eger n'est pas forcément de gagner, mais essayer, elle espère, si elle gagnait, ça serait bien, mais elle espère que d'autres reprennent sa promesse. Et le point, c'est que le candidat, disons, un président, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut instaurer le RIC constituant. Dans le sens qu'il peut organiser un référendum, comme De Gaulle a fait un référendum pour instaurer l'élection du président au suffrage universel, mais il peut aussi proposer de changer la constitution pour instaurer le RIC constituant. Et puis si le peuple acceptait, ben, il serait instauré. La grande Oui, ben difficulté, ça c'est c'est. d'avoir quelqu'un qui a ça au programme, qui arrive à la présidence. Mais le côté plus facile, disons, c'est que quand on essaie de le faire par l'Assemblée, par le Parlement, il faut avoir l'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat. Et ça, c'est, enfin, les deux choses ne sont pas faciles, mais le Sénat est peut-être encore plus difficile que l'Assemblée nationale. Pour l'instant, elle est verrouillée vu que c'est que les maires qui sont des grands électeurs qui déterminent le Sénat. Cela dit, si on a beaucoup de députés, ça peut quand même être assez remarquable, déjà d'une. Et puis, bon, le président, l'ennui, c'est que ce n'est que. Alors, bien sûr, il a tous les pouvoirs parce que là, c'est un régime particulier. En démocratie, ce gars ne doit, c'est l'exécutif. Donc il exécute ce qu'on lui dit. J'aimerais, dans mon rêve, qu'on en revienne à ça. Réinverser les choses, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire remettre les choses à leur place. L'église au milieu du village, qui est, les décisions se prennent d'en bas. En haut, ça exécute.
Une Miss France m'irait très bien. N'importe qui. Après, même un roi, hein, si vous voulez. Du moment que le pouvoir, la souveraineté, on la conserve. Pour l'instant, on l'a pas. On n'a pas, on n'est pas souverain dans notre corps, déjà. Déjà là, c'est alerte rouge, quoi, sur le moment. Bien, merci. La dernière question vient de Nasser. Il pose la question de la réforme du statut des élus. Alors, c'est-à-dire la réforme, qu'est-ce que j'envisagerais moi? Qu'est-ce que j'aimerais Oui. discuter à l'Assemblée pour ça? Un mandat unique non renouvelable le plus court possible pour que ça tourne. Alors, bien sûr, selon les postes. Bon, un maire, ça pourrait aller un peu au-delà. Si, de toute façon, on ne veut que des potiches. Hein. Voilà, le maire, il ira couper des rubans. Faire des mariages, si ça le chante. Donc, au final, il ne prendra pas la décision. Ce n'est pas à lui de la prendre. Donc, voilà. Ok, C'est ça la merci question. beaucoup. C'est fini pour moi. Merci à vous. Bien, merci. Merci à toi, Gaëlle. Merci pour les téléspectateurs qui ont posé ces questions. J'ai bien le ressenti d'être que c'est compliqué pour moi de parler, là. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai une tête d'enterrement. Et ça commence à être compliqué là. Merci quand même de l'avoir fait malgré que tu as la crève ce soir. Je crois que ceux qui nous écoutent ont eu suffisamment d'informations pour se faire leur propre idée de l'Assemblée annécienne et puis de l'Assemblée citoyenne locale de Savoie. Voilà. Le Et puis. hashtag du jour, c'est ACL, Assemblée citoyenne locale, ACL. C'est le hashtag Ah, du c'est. jour. OK. Et puis, bah, s'ils ont aussi des indications sur comment y participer, s'ils le souhaitent. Ceux qui ont raté le début de l'émission, ils peuvent voir le reste sur la page YouTube du MCP. La prochaine émission, donc, je vous ai parlé de celle du 25 janvier qui sera sur l'intelligence collective. Mais avant ça, il y a mardi prochain, à la même heure, à 20h30, donc le 11 janvier, ce sera Jérémy Clément d'Alliance Éco-Citoyenne. Et donc, Alliance Éco-Citoyenne, le 11 janvier. Et bon, comme aujourd'hui, on est encore le 4 janvier, je crois que je peux encore vous souhaiter une bonne année. Remercier ben, les participants. Gaëlle et Eva. Et puis, vous remerciez vous, Stéphane Rollin, l'invité du jour. Merci Pierre-Alain, merci pour Merci. ta bienveillance. Bye bye, bonne année aussi à tous encore.